Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bon, il y a plein de choses à dire en fait, il y a plein de choses à dire. 85% de la population mondiale ne vit pas dans un monde où Bitcoin ne serait qu'un délire de geek. Le Vénézuélien qui veut quitter son pays et la catastrophe humanitaire qui s'y déroule. Le Congolais qui souhaite recevoir des dons du monde entier à la suite d'une éruption volcanique et participer à l'inclusion financière locale. Les femmes afghanes qui souhaitent fuir le régime taliban ou simplement vivre sur place avec un début de liberté financière. Les exemples de l'utilité de Bitcoin ne manquent pas lorsqu'on sort le nez du guidon. La Human Rights Foundation qualifie d'ailleurs Bitcoin d'échappatoire à la tyrannie, d'argent de la liberté, et rappelle que plus de la moitié de la population mondiale vivait en 2021 sous un régime autoritaire. Et comme le dit Carlos Hernandez, économiste vénézuélien, l'argent sans frontières est plus qu'un buzzword quand vous vivez dans une économie qui s'effondre, sous une dictature qui s'effondre. Ici simplement, ce Big W sur le volume acheteur témoigne d'un rebond. Ici. Donc franchement c'est une, euh, une bonne chose, honnêtement c'est une assez bonne chose. Et euh, les vendeurs, eux, de leur côté, font un, commencent à avoir un volume qui devient décroissant. Donc un volume qui diminue, ça ne veut pas dire que les voleurs, les, les voleurs, <laughs> les vendeurs sont endormis, loin de là, ça veut simplement dire que pour le moment, les vendeurs se calment au niveau de la vente. En tout cas, la vente sur le marché spot est en train de se réduire sur les niveaux de prix actuels. Donc ça ne veut pas dire que ça y est, on a un bottom, c'est la fête, on va aller acheter du Bitcoin, on va, on va, on va all-in, on va vendre à la maison, on va acheter du Bitcoin, ou on va foutre du levier sur les contrats dérivés ou autre. Non. Euh, ça veut simplement dire que les acheteurs se réveillent et qu'on trouve enfin une résilience. Les acheteurs ne sont plus malmenés comme ils se faisaient malmener depuis des semaines. Primo, c'est est-ce qu'on peut dire que euh, la chute est terminée, c'est sûr, c'est garanti, parce que les actions, c'est terminé, elles ont touché leur bottom. Alors... Pas forcément en réalité parce que au niveau macroéconomie, au niveau euh, les, les guerres qui nous pendonnaient et tout, euh, ou en tout cas les tensions internationales, c'est pas la fiesta, mais c'est sûr qu'une jolie mèche comme ça, je dirais que la mèche là sur le Nasdaq, elle est vachement plus jolie même que celle du Bitcoin. Et sur le SP 500 aussi. Donc forcément, c'est encourageant. Puisqu'on serait dans le cas où on allait chercher les stops, on a fait panique générale, ah là là, c'est foutu. Et on remonte, mais euh, la tendance est baissière. Et c'est pas parce qu'on a eu un rebond que euh, effectivement la peur était maximale à un moment T que on n'est pas parti pour trois mois de dégueulis euh, Du côté des États-Unis, justement on en parlait régulation des États-Unis, c'est maintenant la Maison Blanche et Joe Biden se préparait à publier un décret présidentiel encadrant les données on devrait en avoir la première ébauche dès février. Et là, ça chauffe. Hein, pour les crypto. Cet été, on a eu la Chine qui bannit ses cryptos. Là, on a vu, euh, rappelez-vous, il y a une semaine environ, la Russie qui a dit. Euh, alors, ce n'est pas la Russie, c'est, euh, il me semble, la Banque Centrale de Russie, il me semble, si je n'ai pas de conneries, qui, qui ont dit qu'ils voulaient éventuellement bannir les cryptos, le trading de cryptos, euh, les minages, etc. On a aussi euh, l'ancien. Euh, président il me semble au euh, niveau la commission européenne qui a dit euh, qu'il voulait pourquoi pas aussi bannir les crypto, le minage des cryptos off -off -work en, en Europe. Et on a aussi les Etats-Unis hein, qui commencent à taper un peu sur crypto. Donc on a vraiment une régulation qui est très forte et c'est ce qui est le, le plus dur hein, pour les cryptos en ce moment, c'est euh, passer cette étape de régulation. Alors ça peut ne pas être mauvais, hein, la, la, les USA on va voir ce qu'ils vont faire. Mais s'ils font juste une régulation avec un cadre derrière comme on a eu par exemple en France avec euh, je sais pas une imposition sur les cryptos. Ou alors voilà un cadre bien euh, bien structuré comme il faut qui n'impacte pas trop le domaine, bah c'est plutôt bon. Donc, vous voyez bien que techniquement il n'y a pas encore de bottom ici. Okay. Et, et donc, si jamais on casse au sud les 32 900 dollars, ce qui est possible, bah, c'est poursuite de la chute et qu'on aille du coup s'attaquer euh, aux zones de stop ici. Hop, hop, hop. Donc, c'est-à-dire qu'on vienne les tester. Donc, en gros, 30 000 dollars tout simplement. Et si jamais ça ne tient pas, qu'on aille chasser les stops sous ces niveaux. Et à ce moment-là, grosse proba de finir sous 28 800 dollars histoire de chasser un maximum de stop et de récupérer la liquidité. Plus bas, s'il y a des grosses whales ou peu importe des fonds d'investissement, des, des institutions qui veulent acheter du bitcoin et qu'ils ont besoin de gros montants de liquidités, où est-ce qu'ils pourraient le faire s'ils n'ont pas pu bien le faire ici Bah c'est très simple, c'est entre 24 200 et 29 700 dollars. Prochain creux qui est ici. Ok, ça, ça serait la zone à venir chercher si on pose pas de bottom ici et qu'il y, y a des gros fonds qui veulent récupérer la liquidité. Bon bah ils le feront là-bas. En gros, ce serait un scénario. Comme ça. Une zone d'achat dans un méga range avec des gens qui passent bearish sur les supports. C'est plutôt bon pour un rebond. Cependant, ici la tendance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines baissières, quasiment hein, avec euh, du down only. Euh, Est-ce que ça va s'arrêter là forcément Pas forcément. Ça s'arrête quand, euh, quand, quand euh, la tendance elle montre des signes d'inversement de tendance. Et une bougie avec une mèche ne suffit pas pour, pour, pour déclarer ça. Donc, euh, donc ça reste tant du slip. Est-ce que ça fait sens, si vous avez vendu le top, d'acheter ici un peu de Bitcoin Oui, complètement. Winner, winner. Vous étiez winner. Au niveau de Twitter, quand j'ai lancé Twitter hier, j'ai eu euh, ce... Euh, cette notif au niveau des NFT, lancement des images de profil NFT, qu'est-ce qu'un NFT, que peut-il savoir d'autre Donc là ils expliquent quelques trucs et en gros ils expliquent qu'ils vont pouvoir certifier les images NFT sur leur profil. Par exemple il y a plein de gens qui mettent euh, leur NFT en profil Twitter. Sauf que du coup on peut pas s'assurer que c'est vraiment leur NFT à part s'ils montrent que, ouais, ils l'ont bien sur la blockchain, sur par exemple OpenSea etc. Mais du coup là ils peuvent mettre une certification directe qui permet de, de faire ça avec la blockchain. Bye. Et ça peut faire chier de dire ah putain mais en fait il sait pas. Ben non je sais pas notre job, c'est de réunir tous les, <laughs> tous les putains de pièces de puzzle et d'établir une probabilité. Pour moi, la probabilité, c'est qu que malgré les, les conditions géopolitiques, il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas tout de suite. Mais déclarer retour du bull market, machin et tout, c'est des, des conneries. Je vois, de mon côté, sur Twitter, je vois des gens à 100 000 abonnés qui commencent à coller les shorts et tout, donc. Voilà, on est en train de mettre en tête, dans la tête des gens, qu'il faudrait peut-être shorter ce marché. Bah c'est trop tard, en fait, pour shorter ce marché. Oui, il peut aller à 25 000 dollars, à 26, à 27. Donc, oui, il y a encore des gains à faire en short, mais il fallait se réveiller plus tôt quand même. On est déjà à moins 50%, donc c'est un peu tard pour tenter de shorter le marché. Et les mecs commencent à call des shorts. Bon. Du côté de la beacon de Nance, je voulais vous montrer le rebond qu'il y a eu là du côté de la beacon de Nance. Vous voyez qu'on a un rebond assez fort et c'est assez logique. Quand a un beacon souvent qui fait flash crash, et bien, en fait il va chuter de peut-être moins 40, moins 50%, mais les ils vont faire moins 60, moins 70, moins 80%. Du coup on va avoir la beacon de Nance qui va remonter aussi au passage, euh, c'est assez logique. Pour l'instant voilà, la zone des 40%, environ 30%, 39% a tenu. Euh, ça fait un informer un voyez, on a pu remonter. Après ce qui va être intéressant à suivre, c'est euh, quand on va se relancer à tendance haussière, est-ce que Bitcoin va pouvoir reperformer les altcoins Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. C'est pas une certitude non plus, mais c'est ce qui devrait logiquement arriver hein, quand on relance une tendance haussière, qu'on ait Bitcoin qui relance tendance avec lui, pour si vous voulez euh, drainer tout l'argent d'abord sur lui et ensuite envoyer sur les altcoins pour faire du coup un truc dans ce style hein, où en fait on remonte du côté de Bitcoinance et ensuite hop altcoin season exactement comme on l'a fait plusieurs fois vous voyez dans le passé. Donc, on surveillera, mais ça aussi ouais, c'est un indicateur intéressant à suivre, mais euh, pas pour l'instant. Il hein, faut attendre qu'on ait un au bottom, qu'on se relance, etc. Là, il sera intéressant à suivre. D'ailleurs, c'est marrant cette mèche de l'infini. D'où l'expression, les queues aiment être mangées. Est-ce que c'est un mec qui a fait une connerie sur Bitstamp et qui, du coup, a poussé le marché pour pouvoir sortir de sa position sans casse Ou euh, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'est dit, bon, j'accumule toute cette zone de toute façon et, euh, et il a fait ensuite sur tous les échanges. Enfin, j'en sais rien, mais, mais c'est marrant, mais la queue a bien été mangée. Rapidement, je fais une mise à jour sur Ethereum. C'est exactement pareil que Bitcoin. On a la même pattern de retournement potentiellement. On a le même 9 ici sur le TD. Donc on est sur un TD 9 qui pourrait aider à poser un bottom. Enfin, pas aider, mais voilà, un indicateur de momentum. Moi, je l'utilise. Enfin, je, je pas, mais en gros, je pourrais l'utiliser ainsi et me dire Ok, ici, j'ai une confirmation momentum. Il me faudrait une structure de retournement. Et là, là, en tout cas, une pattern de retournement, une pattern de rebond. La pattern de rebond sur Ethereum, ce serait si on casse les 2541 dollars qu'on est en dessous il euh, n'y a pas de pattern de, de, de rebond ici donc faudrait absolument casser au-dessus des 2541 sans avoir touché aux 2159 dollars donc faire ça ou ici se reprendre et casser pour aller chercher un petit peu plus haut tout simplement en termes de retracement je pense qu'un premier arrêt dans un premier temps c'est premier objectif 2136 dollars zone de rechargement de short entre 3100 et 2900 dollars depuis le précédent Sommet. Visa n'est que le système de paiement. Enlevez les banques, enlevez l'euro ou le dollar et Visa ne peut plus opérer. Par conséquent, ce ratio énergie-transaction n'a strictement aucun sens. Si l'on cherche à être un tant soit peu honnête, il faudrait alors comparer la consommation d'énergie de Bitcoin avec celle de tout le système bancaire ainsi que de toutes les industries liées à l'extraction de l'or. Alors demandons à nos compatriotes guyanais s'ils préfèrent le projet. Montagne d'or ou bitcoin. Et je doute que beaucoup hésitent. Le problème, c'est que cette comparaison est très difficile à établir, notamment parce que le système bancaire, lui, n'est pas transparent sur ses chiffres et sa consommation, ainsi que, soit dit en passant, ses financements aux industries fossiles. L'ONG Oxfam estimait par exemple en 2020 que l'impact carbone des seules banques françaises était 8 fois supérieur à celui de la France entière. il y a une big mèche ici. Avec beaucoup de volume exécuté ici. Euh, alors, soit c'est un exit pump, donc il y a quelqu'un en gros qui, sur Bitstamp, avait un prix moyen, qui est, enfin en gros il avait voilà, des positions Bitcoin à liquider un petit peu plus haut, donc il s'est arrangé pour euh, faire une big mesh ici, déclencher des ordres stop limit et vendre du Bitcoin dans ses ordres de prix pour sortir parce que peut-être il est au courant que le big crack arrive. Ou alors c'est quelqu'un, une whale ou peu importe, ici un mec qui a un algo qui avait beaucoup de montants, un gros montant exécuté. Il s'est fail, en gros, voilà, il, il a fait un petit peu n'importe quoi. Il est venu Buy Market et il a complètement nettoyé tout l'ordre book sur Bitstamp. Ça, c'est possible aussi. Donc, euh, ça voudrait dire qu'en gros, ici, on a des whales qui commencent à, à recharger, sauf que lui s'est fait cramer en fait. Il a fait un Buy Market, peut-être, voilà, dans le coup de la précipitation ou autre. Et ce qu'il a fait, qu'il a bouffé complètement tout l'ordre book. Après ça, généralement, les whales sont pas, sont pas assez bêtes pour faire fin, pas assez bêtes, mais euh, voilà, les mecs sont disciplinés pour pas faire ça, pour ne pas laisser de traces. Et là, peut-être que voilà, dans la précipitation, le mec, il a laissé des traces. Ensuite, on passe sur la Total Value Lock, qui est la valeur totale verrouillée sur les protocoles DeFi, qui perd 67 milliards de dollars au début du mois. C'est énorme. Après, il faut relativiser. Il faut vous dire qu'au euh, niveau de juin 2020, je m'en souviens, pour la fois que j'avais parlé de la DeFi sur la chaîne YouTube, il y avait 1 milliard, je crois, un milliard 4 de euh, Total Value Lock. Même pas, même pas. Attends, il y avait 700 millions, je crois. Il n'y avait même pas 1 milliard de euh, Total Verrouillé dans, dans la DeFi. Ce qui que dalle, Et aujourd'hui, on est monté, je crois, à 130 milliards. Enfin bref, c'est complètement délirant. On, est monté à, voilà, on a fait un fois 200 par rapport au début quand, quand j'en parlais. Et euh, du coup, là, on baisse de 67 milliards. C'est énorme. Mais euh, si on prend la perspective sur deux ans, au final, on est euh, quand même largement positif euh, depuis, euh, depuis le début. C'est vrai que voilà, 67 milliards, ça fait mal. Après, on a eu pareil cet été, hein, qu'on a chuté du côté du cours. Ça va avec hein, tout ce qui... Dès que le Bitcoin chute, il y a tout le secteur des crypto qui est impacté. C'est ça, c'est sûr et certain. Il n'y en a pas forcément de secteur qui va réussir à s'en sortir mieux que d'autres. Enfin, il y en a toujours, mais je veux dire, dans l'ensemble, on a tout qui baisse. quoi L'innovation majeure de Bitcoin, ce n'est pas la blockchain, comme beaucoup veulent le faire croire. C'est le consensus sans intermédiaire dans un réseau informatique permettant de gérer et de transférer de la valeur en ligne. La blockchain est un des éléments de cette innovation, mais ce n'est pas le seul. En réalité, l'unique nouveauté apportée par Nakamoto, c'est la rémunération des mineurs dans une unité de compte dédiée, le Bitcoin. Et toi Tu es bien ou tu es boule Dis-nous en commentaire